Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Kitsuko, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on est là pour un nouveau tuto, comment jouer aux jeux mobiles sur PC. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question parce que tout le monde adore les jeux Android, enfin mobile mais compris. Du coup je vais vous montrer comment installer un émulateur d'Android, voilà, donc c'est vraiment sympa la vérité, surtout pour les personnes. Enfin, personnellement moi j'installe pour jouer à Dokkan Battle, tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui installent pour ça, et c'est vraiment sympa. Voilà, donc du coup je vais vous montrer comment l'installer. Alors c'est totalement simple. Voilà, donc franchement c'est super sympa, vous allez voir que c'est simple d'utilisation tout ça, donc voilà. Du coup on est parti, alors je vous mets le lien de la page du site de la description, c'est LD Player, voilà, donc vous pouvez remarquer, vous mettez télécharger, c'est totalement simple. Alors je vais pas télécharger, alors je suis désolé, je sais que les gens n'aiment pas quand on fait ça, quand on télécharge pas les trucs, mais alors je l'ai déjà téléchargé parce qu'en fait j'ai jamais donné Dokkan Battle dessus. Si je désinstalle et je réinstalle le truc, ça va mettre 100 ans, surtout l'installation de Dokkan Battle, c'est trop lent pour installer les fichiers. Du coup voilà. Donc du coup vous installez le truc, vous lancez le setup, ensuite c'est totalement simple. Franchement c'est totalement simple. Vous mettez install, ouais c'est vraiment simple, c'est tout bête. Ensuite vous allez apparaître ça dans votre bureau, tout ça, ça et ça. Vous lancez pas LD Multiplayer 4, vous lancez juste LD Player 4. Voilà, vous le lancez. C'est vraiment super rapide, regardez-moi ça. Donc voilà, vous avez un chargement de... Bon, c'est rapide quand même. Du coup voilà. Et vous allez en gros atterrir dans une... Comme vous pouvez remarquer, atterrir dans une... dans un menu, comme si vous étiez sur tablette ou téléphone. Alors... Là, à droite, vous avez des boutons, augmenter le son, baisser le son. Alors, vous avez, en gros, si vous voulez être en mode tablette, vous restez comme ça. Sinon, vous êtes en mode téléphone, vous appuyez sur toucher, tourner l'écran, pardon. Et là, vous êtes en mode téléphone, ouais, donc ça, c'est simple, vous faites ça avec la souris, du coup, voilà. Moi, personnellement, je préfère le mode tablette, parce que j'ai un grand écran, voilà. Bon, du coup, ça revient même, finalement. Ensuite, là, vous avez Google Play, du coup, Play Store, pardon. Et voilà, vous installez vos jeux, moi, c'est le Dokkan Battle. Et je vais vous montrer que ça marche. Alors, je vais baisser un peu le son parce que sinon c'est un peu la guerre. Voilà, donc alors, ça va, ça c'est le son. Voilà. Moi, c'est le multimédia qu'il faut baisser. C'est assez chiant quand ça fait ça sur les Android. Et du coup, voilà. Voilà, je vais vous montrer que ça marche. Et puis, franchement, c'est super simple. Et c'est super cool qu'ils ont fait ça parce que, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'Android, moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai plus d'Android. Donc voilà, donc, du coup, c'est pour ça que je voulais installer sur. Sur PC. Donc voilà. Alors si vous voyez que j'ai flouté en haut là le truc, c'est parce qu'en fait j'ai mon idée de Dokkan Battle, je veux pas qu'on le voit, voilà, évidemment, parce que sinon je suis dans la merde, on nique mon compte. Du coup voilà. Donc voilà les amis, alors du coup là vous êtes dans le menu, ça marche. Vous pouvez voir ça marche, bon, vous verrez que la souris bien évidemment. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce qu'on a eu un bon truc, voilà, parce que... Non, ça c'est con, ça, voilà. Du coup, voilà, les amis, franchement, si vous êtes joueur de Dokkan Battle, c'est... Franchement, c'est tout bénéf. Même les joueurs Clash Clan, Clash Royale, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs Summoners War, à mort, c'est un jeu que tout le monde joue. Personnellement, je joue pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent à ça. Du coup, voilà, les gars, donc c'est vraiment super sympa. D'ailleurs, je compte refaire des vidéos sur Dokkan Battle, du coup, maintenant, parce que... J'ai beaucoup d'idées qui sont venues en tête, du coup, voilà. Du coup, voilà, les amis, c'est super simple, vous avez le lien dans la description du site. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que vos amis ou plus souvent vous jouez ensemble, tout ça, ou même n'importe qui se posait la question comment faire. Du coup, voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, vous avez un problème, ça, je vous réponds. N'inquiétez pas, les amis, je suis à l'écoute de vos attentes. Et puis, voilà. Du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, c'était Kitsuko. Ciao tout le monde.